Vous en avez assez des pubs sexistes, des propos machistes, des discours misogynes et du prétendu humour qui tourne les femmes en ridicule? Rendez-vous sur macholand.fr, le nouveau site internet qui se propose d'épingler tous les dérapages, contrôlés ou non, sur le sujet. Ça suffit là. Qui c'est qui s'est fait Écoutez, ça enfin, franchement. Arrêtez quoi. Je suis pas une poule, hein. C'est bon. Et apparemment, ils sont nombreux les machistes, surtout sur les bancs de l'Assemblée nationale. Machistes et fiers de l'être. Vive les machos! Monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance. Et je respecte. Donc c'est Madame la Présidente. Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président. Manifestement, il y a un certain nombre de personnes qui croient, ou alors c'est peut-être à l'insu de leur plein gré, tiennent des propos misogynes, des propos sexistes dans l'espace public, sans qu'à aucun moment personne ne leur dise que c'est un problème. Et donc le but de Macholand, c'est de leur dire que c'est un problème, et que les gens ne recommencent pas. Et pour qu'ils ne recommencent pas, l'arme absolue, c'est Internet et les réseaux sociaux. Chacun pourra signaler sur Macholand les actes sexistes. Une fois validés par le site, les internautes sont invités à saturer les messageries des coupables avec des tweets pour les rappeler à l'ordre. Qu'ils soient politiques, publicitaires ou managers, les beaux jours du macho sont bel et bien comptés.